Salut à tous! Hello! Salut Kimani! Ah, je vais mettre ça là. Hop, voilà. Salut Kimani! Salut Daruma! Salut BC! Salut Stéphanie! Salut à toi! Salut le découpeur! Allez, let's go! Let's go! Allez, bienvenue à tous! Ça se connecte, c'est cool! D'un côté comme de l'autre, le son est OK. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue en ce jeudi, ouais, jeudi 7 décembre. Et comme tous les midis, le rendez-vous est pris. Il est 13h30, passé maintenant. Je vous emmène tout de suite sur mes écrans afin de passer quelques actifs, quelques indices à la loupe de l'analyse technique. Et c'est parti pour aujourd'hui. Et je vous partage de ce pas mon écran. Et la première des choses à faire, ben, comme tous les jours, c'est vérifier l'agenda économique. Et en termes de news, aujourd'hui, ça sera dans 1 heure. Donc, dans 1 heure, donc à 14h30, il y a les inscriptions hebdo au chômage. OK? Je vérifie demain un petit peu. Demain. Ah oui, demain, on en a un peu plus. Donc, salaire horaire, création d'emplois, secteur non agricole et taux de chômage. OK, demain aussi, ça va. Ça risque de tanguer pas mal aux alentours de 14h30. OK? Salut Pierre-Yves. Allez, let's go. Voilà, ça c'est noté. En tous les cas, pour aujourd'hui, si je reviens un petit peu en arrière, donc dans 1 heure, inscription hebdo au chômage à 14h30. Donc c'est bien dans 1 heure. Allez, peut-être, si, quand même, avant d'aller sur mes écrans graphiques, j'aimerais simplement partager. Donc là, c'est un abonné qui m'a écrit. Il y a maintenant 2 jours, et qui m'a partagé un petit outil. Alors, il me semble qu'à l'époque, lorsque je faisais un peu de CFD, je l'avais aussi sur IG Market. Ok, je l'avais. Bah d'ailleurs, pardon, c'est du IG ça. Mais je voyais DailyFX.com. Ça se trouve, ça vient de chez IG en fait. Voilà. Et donc, l'abonné m'a envoyé ça. Et juste pour le lire rapidement ensemble. Alors, avant d'aller sur cet outil-là. Loin de moi l'idée d'avoir un esprit contrarien, pas du tout. J'ai pas un esprit contrarien, mais je crois que vous le savez, les marchés sont la plupart du temps le reflet d'émotions, ouais, les émotions des traders, des investisseurs, etc. Et bizarrement, on a des réactions de prix à des endroits bien précis, etc. On retrouve ce qu'on appelle des patterns, on retrouve des corrélations, on retrouve, enfin, voilà. Et tout ça forme le composite man, le marché au sens large. Et cet outil-là, je le trouve intéressant, comme beaucoup des outils, hein. Je ne suis pas du tout réfractaire aux outils, au contraire. Et celui-ci, comment le lire? En fait, vous avez différents actifs ici. Ouais. Donc, vous voyez, on a les différents actifs ici. Et puis là, on a les proportions entre les personnes qui table sur du long et les personnes qui tablent sur du court. Alors, on ne sait pas derrière ça si ce sont des scalpers, si ce sont des day traders, si ce sont des investisseurs. Bon, sur IG Market, je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'investisseurs. C'est plutôt, on va dire, ah, je vais être un peu dur, mais probablement beaucoup de retail, entre guillemets, voilà, des gens qui sont sur les CFD, etc. Mais peu importe. Quoique, je dévie un peu, mais ça serait quand même intéressant d'avoir les proportions des personnes qui sont à l'intérieur. Est-ce des investisseurs, des day traders, des scalpers, et puis plus particulièrement, est-ce des professionnels ou tout simplement des particuliers? Et ça pourrait quand même amener un peu d'eau au moulin de ces indicateurs-là. Allez, pourquoi je vous emmène là-dessus? Ben, on va s'intéresser vraiment à ce qui me motive tous les jours. Allez, on va s'arrêter par ici. Voilà. On a du gold, on a l'US 500, c'est le Standard & Poor's 500. On a Wall Street, on a le DAX, on a les FT, le FTSE, on a le CAC. OK, voilà. Et regardez, vous occupez pas de ça ou de ça. Regardez simplement les proportions. Le gold, on va l'analyser tout à l'heure, on a un 60-40. Autant dire qu'un 50-50, pourquoi pas, ça me paraît assez équilibré. Ok, j'en tiendrai pas compte. En revanche, quand on voit des proportions telles que celles que je vous montre à l'instant, on a un Standard & Poor's 500 avec un ratio de short de 64%.
Et là, 36 à l'achat. Ok. On a un ratio de short sur le. Ça doit être le Dow Jones. Ouais, je pense que c'est le Dow Jones. 80% court et 21% long. Bon, vous me voyez arriver. Et là, bizarrement, le FTSE, on va les voir. Non, on ne va pas les voir, mais le FTSE. Ok. Et puis ici, le CAC, 80% pratiquement court, etc. etc. Ben, je ne veux pas dire que souvent, la masse des gens, vous et moi on en fait partie, se trompe, mais c'est quand même souvent le cas en fait, hein. La masse des gens se trompe. Alors, après, il y a se tromper, il y a le temps aussi à travers ça. Est-ce que c'est sur le moyen, le long terme, blablabla, blablabla. Si je raisonne vraiment à court terme sur la journée d'aujourd'hui, avec de tels ratios, de telles disproportions de ratios, il y a tellement de vendeurs, hein, que de longs, eh bien, rien que ça me met la puce à l'oreille en me disant, je ne sais pas si les marchés vont baisser aujourd'hui. Je vous l'ai dit au début, hein, ce n'est pas mon esprit contrarien, mais quand vous avez des disproportions comme ça craint. Franchement, je vous le dis, ça craint. Donc, si vous voulez vous mettre du côté, entre guillemets, des 83, pourquoi pas? En tout cas, peut-être en début de mouvement, mais ouais, ça mérite un petit coup d'arrêt, un petit coup de réflexion par rapport à ça. Vraiment, vraiment. Et vous regarderez, j'aimerais bien avoir l'historique, en fait. J'aurais voulu comparer l'historique ratio bulle court, avoir la courbe et en parallèle les indices. Et détecter en fait quand il y a des disproportions comme ça, voir un petit peu le comportement des prix par rapport à ça. Ça aurait été top, je pense que ça doit exister, moi je ne l'ai pas. Mais ça serait de comparer la courbe de ça versus la courbe de l'actif qu'il y a derrière. Et il y aurait vraiment des trucs intéressants à en tirer. Voilà, bon, il y a beaucoup de vendeurs, vous le voyez? Et bien maintenant, on va aller voir les graphiques. Ok, il y a beaucoup de vendeurs et on va aller voir les graphiques de ce pas. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer aujourd'hui? Eh bien, on va commencer par le S. Le S, le S, le S. On l'a vu, hein? Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vendeurs. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de vendeurs. Hein. Et est-ce que vous voyez que vraiment, 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 ça baisse, hein? Non, hein. C'est ça le problème en fait. Hein. Alors on va le voir un petit peu en détail en 60 minutes, après le S, mais bon, moi pour le moment, je ne suis pas vendeur. Hier, j'ai fait un petit ballon d'essai sur de l'achat, je vous montrerai où. Il y a eu une belle mèche, etc. Mais ça a capoté en fait. D'accord? Donc là, on est parfaitement contenu. Est-ce que je vais vraiment à l'essentiel aujourd'hui, hein. Je ne vais pas faire tout le blablabla. Entre guillemets, hein, blablabla, mais après vous en faites ce que vous voulez. Mais pour aller à l'essentiel aujourd'hui, est-ce que j'ai un signal de vente? Non, en daily, je n'ai rien et moi je ne joue pas les breaks, en tout cas en daily. Je ne joue pas les breaks. Je préfère avoir une tendance clairement déclarée en daily et ensuite aller sur du 1 heure chercher des signaux. Ici, est-ce que vous avez clairement un signal de vente ici? Alors, peut-être sur ce haut avec la prise de liquidité ici versus la liquidité qui était ici, là il y a un signal, je suis d'accord. Maintenant, en tant que day trader, en tant que voilà, trade intraday, ouverture et clôture dans la même journée, si je zoome un peu, est-ce que, hop, vous voyez un signal de vente en daily? Moi, je n'en vois pas. Alors, tu écris beaucoup, baissé, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire. Ouais. Donc, ce que je vous dis là, c'est que jouer une tentative de break en se disant il y a un potentiel de dingue en dessous, oui, certainement. Probablement, mais comme à chaque fois, l'une des vertus essentielles en trading, c'est la patience. Et qui, dans vous, posez-vous la question intérieurement, vraiment, sans vous mentir, allez-vous attendre une clôture daily vraiment en deçà pour vous donner le top départ et commencer à prendre des cours en 1 heure, même en 1 minute? Est-ce que vous avez la patience d'attendre, ne serait-ce que ce fichu signal. Aujourd'hui, on est complètement contenu. Alors, il y avait peut-être des shorts à tenter là-haut, parce que ça, c'est un point qu'on avait discuté ensemble, de la liquidité, on a vu le retournement. Mais quand même, dans ces bougies-là, vous pensez bien que ça va au bas, au bas. C'est loin d'être évident d'avoir un beau mouvement qui se lance.
Okay, des mouvements comme ça, là, c'est vraiment, là, c'est très, très, très prononcé, c'est linéaire, il n'y a pas trop de, il y a pas de lézard, hein, c'est assez limpide. Ici, là, il n'y a pas d'action, de prix, il y a eu hier une belle reprise des vendeurs en main, mais pour faire quoi au juste? Voilà, aujourd'hui, il n'y a rien en fait, hein. Moi, je n'ai pas de confirmation. Et puis, pour commencer à vendre, malgré cette belle bougie vendeuse d'hier, moi, je trouve que je suis déjà, encore une fois, sur une zone de combat où ça a été défendu par les acheteurs. Et maintenant, est-ce que je vais acheter? Bah, c'est pareil. J'ai tenté un ballon d'essai, on va dire, c'était plutôt sur le Nasdaq, on verra après. Un ballon d'essai ici hier pour tenter des achats, pour breaker vers le haut, ça n'a rien donné. Donc, sur ce bas, retenter des achats, sachant qu'il y a une bougie vendeuse au-dessus, mais je n'ai pas de confirmation de vente encore, ben, depuis quelques jours, ça botte un peu en touche, hein. Et c'est comme ça, en fait, ne pas trader, en tout cas sur de l'intraday, c'est aussi faire le boulot, quoi. Ah là là, on se le dit, on se le répète, hein, mais c'est tellement dur de ne pas trader, n'est-ce pas? Et je vous regarde. Bon, ceci étant dit, moi je suis désolé, en daily, non. Et puis, rappelez-vous ce que je vous ai montré juste avant. Gardez ça aussi en tête. Gardez ça aussi en tête. Les proportions de vendeurs en ce moment. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, moi, rien du tout. En tout cas, sur le S, pour lancer de l'intraday, c'est trop. Voilà, je préfère attendre des confirmations. Le Nasdaq, hier, petite impulsion ici, bougie intéressante l'avant-veille, etc. Pareil, on le voit, dès la moindre difficulté, il a calé, ok? Mais pour autant, sur le bas, entre cette mèche-là et cette mèche-là, on se rapproche du bas, certes, c'est vrai, c'est factuel, on se rapproche du bas, mais est-ce qu'on a cassé quelque chose hier? Non, rien du tout, rien du tout. Et après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je vais vous dire, mais quelqu'un qui, bon, imaginons un composite man qui est décidé à lancer ce marché vers le haut, il est évident qu'en prenant des contrats, trop de contrats sur cette montée, ça peut faire décaler violemment. Et là, typiquement, dans cette zone où beaucoup commencent à penser à la vente, c'est super intéressant que de se mettre en attente et puis d'essayer de charger à fond pour faire repartir. Et là, il y a de la liquidité en fait. Là, c'est intéressant. Bon, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Je suis pas du tout emballé à l'idée de vendre ce marché. Je ne le vendrai pas. Et les achats, dans la mesure où j'ai fait un essai hier, voilà, je n'en ferai pas aujourd'hui. Et pourtant, c'est peut-être l'achat qu'il faut avoir en tête. Ok? Salut Raph. Alors, j'ai quand même pas mal de commentaires, j'en profite, excusez-moi. Alors, ce matin, je me suis positionné sur l'IBEX en short. Peux-tu me dire si mon analyse était bonne avant que je rentre en position? Bof. Après, tu fais ce que tu veux de tes positions, hein. Après, une analyse est une analyse. On va aller voir ça. Le bull run s'est arrêté sur le prix rond des 13 300, période d'indécision. Ok, ensuite, deux signaux RSI additionnels. Ouais, bon, le RSI en intraday, ouais. Je me mets en M5, j'attends la cassure. Ouais, ça, on peut discuter en privé si tu veux baisser ta technique, si tu veux avoir mon avis. Ça fait beaucoup d'avis. On peut s'arrêter sur l'analyse, effectivement. On va aller voir l'IBEX côté analyse. D'accord? On va faire ça. Après, sur les techniques de rentrée en position, M5, etc., c'est très pointu. Et je pense que je pourrais voilà, perdre peut-être les personnes qui me suivent avec des choses comme ça. Même si c'est un souhait, peut-être qu'on peut y aller un jour, hein, sur de la technique vraiment pure d'entrée-sortie, pourquoi pas. À part l'avancement baissier et la mèche haute d'hier, on n'a pas brisé le support. Je pense que tu voulais mettre avalement, hein, c'est ça? L'avancement baissier ou avalement ou baissier. Okay. Le découpeur, j'aimerais que l'on rende tous hommage aujourd'hui à l'actif qui se fout le plus de la gueule des retails, le DAX. Nouvelle ATH, alors je viens. Ok. Allez, on va aller voir ça. Déjà, Nasdaq, on a vu. ES, on a vu. Ça vaut le coup d'aller voir le Dow Jones quand même, parce que le Dow Jones est vraiment différent. Il a une gueule différente. Et là aussi, bon, regardez, le prix a été travaillé ici. Hop, ok, on a une liquidité là-haut, ça n'a pas été tapé. Mais là aussi, en fait, sur le Dow Jones, pardon, ouais, le Dow Jones. Moi, ce qui m'interpelle, c'est déjà le travail qui a été fait ici, d'accord, les deux bougies. Donc là, on a vu qu'il y a eu une petite idée d'aller vers le haut. Donc ça, c'est quand même un signal de vente, hein. Il ne faut pas le nier. Là, il faut
je fasse attention à ça parce que c'est quand même un signal de vente. On a pris un petit peu de liquidité. Là, c'est un signal de vente. OK. Toutefois, regardez, et ça aussi, j'en parlais ce matin, regardez l'épaisseur des bougies, le corps des bougies. Le corps des bougies, en fait, il est tout ratatiné. Là, on voit que ça a été acheté par les bulles. Acheté par les bulles, là, ça a été plutôt vendu hier. Mais encore une fois, on n'a pas de bougies massives, un peu telles que celle-ci à l'achat, telles que celle-ci à la vente, telles que celle-ci à la vente, qui casse une structure, etc. Donc, on n'a pas ce phénomène-là. Et là, vraiment, vraiment, par contre, en termes d'appui, on a peut-être plus ça, donc c'est ça fait quand même plus bas. Mais imaginez une structure qui soit par ici. Là, c'est typiquement des zones où ça pourrait vraiment repartir, hein, vraiment pour remettre tout le monde dehors. Bon, quand même, sur ce Dow Jones, il n'y a pas de structure évidente en dessous. Il y a de l'imbalance en dessous. Donc là, c'est vrai que même si le départ de baisse, d'accélération baissière tarde à venir, on a quand même des petits signaux. Et c'est peut-être l'un des actifs quand même, pour le coup, qui me plaît. Un signal clair qui a été donné hier, c'est celui-ci, que je ne retrouve pas sur les autres actifs. Les autres actifs n'ont pas tapé de liquidité comme celle-ci. Et là, sur le Dow Jones, non seulement on est vraiment sur des hauts, mais en plus, hier, il a pris la liquidité. Et là, pour le coup, on a quelque chose de vendeur. Voilà. Et là, on est en dessous. Donc là, le Dow Jones, vraiment, ne serait-ce que peut-être combler des imbalances et retester la structure par ici. Là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais les 36 000, vous le voyez, sont quand même là. Ouais. On va aller voir le 1 heure, tiens. On va aller voir ça. On va aller voir le 1 heure sur le Dow Jones. Alors, le Dow Jones. Alors, les phénomènes d'hier, là, il y a plusieurs choses qui me font dire que c'est vraiment intéressant. Ici, ça c'est top. On le retrouve aussi ici. Ça c'est top dans le cadre d'hier. Moi j'étais plutôt en train de travailler ceci sur les autres actifs. On a la même figure hein. Là, ici, le pullback et le rebond. On voit que ça n'a pas tenu. Ok, maintenant faut pas hésiter à revoir un peu sa copie. Et là, il y a différentes choses qui m'intéressent, qui m'interpellent. La première, donc la liquidité, je vous l'ai montré hein, tout en haut ici. Tac, première impulsion, on casse ici. Très bien. Ensuite. C'est ça là, moi, qui m'interpelle. Ok, vous voyez que cette structure-là, elle a été pétée. On est placé en dessous. Eh bien, ici, là, si on devait faire un retest de la structure, ça me semble pas mal, dans les milieux autorisés, à repenser court ici. Ok, là, ça me paraît vraiment pas mal. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'on est placé haut. C'est parce que j'ai quelque chose de net qui a été pris hier sur les hauts. La structure. Celle-ci là, que je. Voilà, celle-ci a été clairement cassée par celle-ci. On a une structure ici qui a été cassée. Et pourquoi pas, dans le canard au test, essayer de repenser à prendre du court. Mais attention aux premières zones de combat. Ici. Ici, on pourrait parfaitement avoir un rebond et repartir après sur du long. OK? Bon, c'est peut-être ouais, un des candidats, finalement, mais ça serait vraiment dans le cadre d'un rebond au sens pullback technique. Un pullback technique, tant l'impulsion est violente, tant le marché est haussier. Mais pourquoi pas? En intraday, il faut savoir aussi prendre le sens inverse de fond pour essayer de prendre quelques points. Okay? Alors, j'avance. Alors, non, vous êtes bavard aujourd'hui. J'aimerais que l'on rende tous hommage. Ouais, tu me l'as dit. Je vais aller voir le DAX après, vite. Alors, l'économie allemande est au plus mal, récession profonde. Alors, mettez le Dow Jones en weekly, vous constaterez une étoile du soir en cours si la semaine actuelle clôture ainsi, le tout sur une résistance horizontale annuelle. Ouais, ok. Alors, effectivement, tu me parles d'une étoile du soir, j'ai plus souvenir trop de ce qu'est une étoile du soir, mais je crois que tu as une de tes réponses dans ta phrase, c'est même pas une question, mais c'est plutôt que la bougie n'est pas clôturée en fait. Et dans la mesure où la bougie n'est pas clôturée, il ne faut surtout pas faire d'anticipation sur une forme de bougie ou sur. D'accord? Éventuellement, la résistance horizontale annuelle, elle peut être intéressante à regarder. Pourquoi pas? Mais déjà, une mi-temps après l'autre, un match après l'autre, attendre voir la clôture ce soir. Pardon, on est jeudi, donc demain soir. Et là, l'analyse sur le weekly pourra commencer
en tenant compte de la bougie qui est clôturée. Okay? Là, c'est trop tôt, en fait. C'est trop tôt. Allez, je ne m'étale pas, parce que ce matin, j'en parlais justement avec un coaché. Attendre vraiment la clôture. Attendez la clôture. Ne serait-ce que pour avoir un signal, il faut attendre la clôture. Et j'ai eu le cas typique ce matin. La clôture de la bougie n'a pas été effective, n'a pas été attendue, et le signal inverse est pratiquement arrivé juste après. D'accord? Donc attendez la clôture. Ouais, pas mal de dos, effectivement. Effectivement. À voir. Next. Ok? Alors, j'oublie pas. Il faut que j'aille voir juste après. L'IBEX, on va faire ça. Je vous emmène quand même sur le pétrole. Alors, le pétrole qui a fait un énorme mouvement hier, moi je n'étais pas dedans, tout simplement. Alors, on va reprendre l'analyse ici. Voilà, ok. Il y a eu un énorme mouvement hier de baisse. L'analyse d'hier était la suivante. Il y avait cette liquidité là dans les jours là. Ça, c'était de la vente, de la vente, de la vente. Et puis, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que hier on était à peu près par ici, d'accord? Et je ne jouais pas les breaks. Je ne jouerai pas les breaks, en tout cas en daily. En daily, je veux quelque chose de, voilà, de lancé, avec un peu de place pour laisser développer éventuellement un intraday. Et là, moi, ce qui me freine énormément, c'est qu'on était à peu près par ici et il y avait cette liquidité. Ok, ici. Et donc, étant pris en étau, pour moi, sur le pétrole était mis de côté. D'autre part, on avait les 70 $ aussi qui étaient là en épuisette. D'accord? Donc, entre la continuation ou alors un rebond, c'était trop flou. Ok? Le pétrole est parti tout de go à la cave. Il est parti très fort à la baisse. Ok, bah, dont acte. Moi, je ne vais pas me morfondre en me disant « Oh là là, là là, là là ». Non, absolument pas. En revanche, là où il faut regarder ça voilà, d'un point de vue analyste, suite à la clôture de la bougie aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire aujourd'hui? Là, quand on regarde le pétrole, je suis en daily. Quand on regarde la cassure de cette zone de liquidité qui ne tient pas finalement, et quand on regarde un petit peu cette montée ici, eh bien là il y a un petit peu d'imbalance. Pour le reste, on a une montée qui n'a pas de niveau de liquidité très clair. Et le prochain, il est ici. D'accord? Donc, étant lancé, avec une liquidité relativement loin, la seule, en tout cas, le positionnement, le plan que je pourrais avoir là-dedans, c'est de me dire à quel moment je peux reprendre le pétrole dans le sens qui m'est clairement indiqué ici. Et dans ce cadre-là, la logique veut que ce point qui était une liquidité jusqu'à présent, qui a pas fait office de hier, ça devient donc quoi? Une structure. Ou alors, on peut avoir aussi cette structure-là. Eh bien, en daily, là, si on a un pullback aujourd'hui ou demain, dans l'idée, ce serait d'attendre des réactions de prix sur ces deux structures. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais être vendeur sur le pétrole, ça va vraiment dépendre du 1 heure. Si j'ai des liquidités très claires en 1 heure, pourquoi pas? Je peux faire un ballon d'essai à la vente sur le pétrole aujourd'hui en intraday. Je ne sais pas exactement s'il y a de la liquidité nette là-dedans. On va les voir après. Comprenez bien comment ça va se passer. Et là, pour le reste, eh bien, si je n'ai pas de niveau de liquidité clair en 1 heure, eh bien, ça va être des choses classiques, des retests de structure. Donc, le 60 minutes, pour y voir plus clair. Mais le sens, pour moi, le sens prioritaire est baissier. Alors, regardez. Ah bah oui, on en parlait encore ce matin. Là, c'est intéressant. Le seul point qu'on avait identifié ce matin, c'était celui-ci. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être, là on a un premier signal ici, en 1 heure. Toutefois, il faut quand même noter que la liquidité a été prise avec plusieurs bougies. Donc ce n'est pas un signal, comment dirais-je, aussi évident et limpide que celui-ci. Il y en a d'autres, hein, ou à la baisse. Regardez, ici, là on en a un, hein, quand ça repart. Là on pourrait le dire. Voilà, donc ça a quand même été travaillé sur plusieurs bougies. Vigilance, voilà, juste la vigilance. Mais le seul point pour moi d'intérêt pour reprendre du cours aujourd'hui, s'il y avait un ballon d'essai à faire, c'est ici. On a les 70 au-dessus de la tête. D'accord? Donc les 70 sont au-dessus de nous. Il y a une liquidité évidente ici, qui a été travaillée de manière un peu subtile, mais là, on peut avoir un signal. Et pour faire quoi? Pour aller chercher des plus bas. Why not? Ensuite, quand vous regardez cette descente-là, il n'y a plus aucun point
évident pour moi pour reprendre du cours. Si ce n'est peut-être celui-ci ou alors celui-ci. Mais vous constaterez que ce point, les deux points que je viens de lister ici, correspond à quoi aussi en daily? À un retest de structure. Là, c'est pile poil la structure daily que je vous ai montré en fait, hein, si le marché fait ça. Et peut-être que la semaine prochaine, ou même demain, ou j'en sais rien, si ça veut monter, là, ça peut être des bons points pour reprendre du cours sur ce pétrole. D'accord. Mais là, effectivement, ce matin, il y a, voilà, je ne suis pas conseiller financier, mais il y a peut-être un ballon d'essai à faire ici, sur ce pétrole, en dessous les 70. Mais ensuite, si vous voyez le pétrole qui part comme ça, hors de question de shorter pour moi. Et je ne l'achèterai pas non plus. OK? Ça, c'était le pétrole. Alors, on va aller voir le pétrole, le 6E. Allez, le 6E. Le 6E, le 6E. Donc, le 6E, placement en daily. Alors, le placement en daily nous dit quoi? Quelle était l'idée Ouais, voilà, c'est ça. Ok. J'avais un point d'intention ici. Ok, très bien. Réaction des prix nulle ici. Et depuis, je suis baissier. Depuis qu'on a clôturé en dessous, baissier, baissier. Première ligne de combat assurée, entre guillemets, c'est voilà, une structure ici. OK. Et puis, d'autre part, on se rend compte qu'on avait une énorme imbalance ici, là. De là à là, tout ça formait ce qu'on peut appeler un creux de volume. Et d'autre part, on a un phénomène voilà, très, très poussif en haut. On a souvent le corollaire, ou un peu un équivalent. On repasse rapidement dedans, mais la propriété de repasser là-dedans, c'est qu'on fait du volume un petit peu ici et on refait du volume là pour arriver à un volume nominal sur les deux passages. Okay? Voilà, ça a coupé sur YouTube. Donc, quand vous reprendrez, voilà, il y a, je sais pas, j'ai des délais de réponse, là c'est revenu. Ok, peu importe. Donc, sur l'euro-dollar, bon, dans la mesure où on arrive là-dessus, je ne sais pas quel est le potentiel de la baisse encore là-dessus. Ça me plaît beaucoup moins. Okay? Peut-être pour venir boucler la boucle avec cette imbalance ici. Là, ça va être pareil que sur le pétrole. J'aimerais bien avoir des bons niveaux de liquidité une heure pour me dire, OK, je retente un cours pour essayer d'aller plus bas. Donc c'est ce qu'on va faire de ce pas. Je vous emmène maintenant sur le 1 heure. Le 1 heure, pourquoi? Parce que c'est ici que j'attends les signaux. Donc là, hier, magnifique. Vraiment, ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Ça, c'est pas mal aussi. Fait en deux temps. OK. Sur le haut, là, ici, on l'avait, plus subtil, exact. Là, on en a encore un petit peu. Bref, peu importe. Et aujourd'hui, non, pas vraiment de signal. Donc, ça peut être celui-ci, éventuellement celui-ci de nouveau. Mais comprenez bien que je suis assez frileux de reprendre de la vente sur cet euro-dollar. Tant le daily me dit qu'on arrive sur une structure et que j'arrive sur une zone de combat. Et qui dit zone de combat entre acheteur et vendeur, c'est toujours délicat. Toujours délicat de prédire l'issue d'un tel combat. Okay? Donc, je vais être frileux sur l'euro-dollar, tant à la vente et à l'achat aussi. Pour l'achat, il me faut une bougie daily qui clôture vraiment voilà, une belle verte pour l'après. Voilà. Le 6e, et pour boucler la boucle, je vais faire le GC, qui est le gold sur les futurs. Le gold. Tiens, attendez, je vais quand même aller voir sur l'euro-dollar ce petit truc-là. Ouais, c'est équilibré. Vous voyez, c'est équilibré. Et le gold. Ouais. Un peu plus d'acheteurs que de vendeurs. Ok. Mais c'est pas non plus un 70-30, vous voyez. Ouais. Bon, ça commence à être un peu. Ok. Donc, je suis sur le gold et j'avance, je me place en daily. Donc, rappelez-vous l'idée du gold. L'idée du gold, c'est qu'on ne se trompe pas dans le fond. Regardez, dans le fond, il faut toujours dézoomer, hein, comprendre de là où on vient. Et dans le fond, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que la structure, ok, elle est bullish. On voit aussi les deux impulsions, ok, pile poil. Notez toutefois que cette liquidité-là, si je la trace, elle n'a pas été tapée, d'accord? Même si on a une zone de liquidité. Ici, ok, on va emmener ça à peu près par là. Ok, très bien. Maintenant, dans l'idée, dans le fond très bullish du gold, la question qui se pose, c'est tenter un rebond. Pourquoi pas? Suite à cette bougie qui fait vraiment peur, qui est très vendeuse. Mais là, vous le voyez, un peu comme sur l'euro-dollar, finalement, on arrive sur une zone de combat assuré, une structure.
On est pile poil dessus. Et ce que j'attendais hier sur ce gold, et qui est arrivé hier en fait, c'est une bougie verte. Il était en observation le gold, hein, en intraday. Pas de trade évident pour moi sur le gold. Maintenant, avec une bougie verte ici, eh bien pourquoi pas? Avec une liquidité en une heure bien propre, je trouve que ça peut être un candidat intéressant, ne serait-ce que pour aller chercher peut-être les 2100, vous voyez, les 2100 ici. Ça peut être un candidat intéressant. D'accord? C'est un peu délicat quand même, mais bon, à voir. Peut-être. On va aller voir le 60 minutes. Et puis, après, j'essaierai de répondre à vos questions, parce que vous êtes très bavard aujourd'hui. Et la moindre des politesses, c'est d'essayer de répondre à vos questions. Donc ici, on a une microstructure nette. On la casse avec une impulsion 1, pullback. Ok, ça c'est... Je suis désolé. C'est tout ce que je viens de voir à mon œil. Donc ici, on a aussi... regardez. Alors, on a petite chose comme ça. Je suis en 60 minutes. Là, vous voyez, on a aussi un retest. Là, on a cassé la structure. On reteste la structure. La petite oblique, première impulsion. On est peut-être sur un démarrage de deuxième... deuxième impulsion. Maintenant, les liquidités qui pourraient m'intéresser dans ce scénario-là, c'est quoi? Pour un achat. Alors, il y a ici, c'est léger, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Très léger, hein? Ouais. D'autre part, ben, la prochaine est ici. Donc là, j'ai pas de signal évident. Alors, je vous ai montré celle-ci parce que ce matin, une personne avec qui je travaille, l'a pris ici en fait, a pris cette liquidité ici, d'accord, à l'achat. Je crois que c'est ça, ouais, à l'achat. Et là, vous voyez, vous avez une verte, une petite bougie d'hésitation, et derrière une grande verte. Ok. Voilà. Donc sur le gold, bah, écoutez, il est urgent, 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 urgent d'attendre dans la manière de pour avoir un signal, ces deux points-là, sinon rien d'autre. Ensuite l'oblique. Ok. Ouais, voilà. Allez, je raccourcis un petit peu là sur le gold et je reviens sur le chat. Donc, alors je vais mettre le Dow Jones en weekly et on va aller voir quand même cette étoile de neige. Étoile de neige. Alors, je suis dans weekly. Alors, mettez le Dow Jones en weekly, vous constaterez une étoile du soir. Une étoile du soir, ça doit être ça, non? Ok, ouais, moi ce que je vois surtout c'est qu'on est sur une belle zone de liquidité et que si effectivement ça réintègre là en weekly, ça peut être vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Après, ce qui sent vraiment, vraiment, vraiment pas bon pour les ours mal léchés, hein, c'est ce genre de phénomène. Regardez, imaginez si on clôture comme ça ce soir, même un petit peu bullish, une petite bougie verte, ça ferait quoi d'après vous? Bah, ça ferait une grande verte. Une petite bougie d'hésitation sur un endroit super bien, et boum, la semaine d'après, une grande verte. Donc, étoile du soir, je sais pas, bonsoir peut-être pour les rimes. Alors, Léo, que penses-tu du BTC? Alors, le BTC, oui, on va aller le voir juste après. Pouvez-vous dire quel est l'indicateur des petits points et comment l'interpréter? Alors, les petits points, bah, c'est l'open, oui, c'est l'open de minuit, c'est ça, c'est ça. Je vais te le montrer, c'est l'open de minuit sur les marchés futurs. Puisque les marchés futurs, tu sais, cotent, on va dire, 23 heures sur 24, les marchés futurs. Et les petits pointillés blancs, alors je ne fais pas l'indicateur, c'est simplement la première cotation à minuit, une exact, enfin à minuit et une seconde passée. Et c'est la première cotation. Ok? Voilà, c'est simplement ça. C'est pour ça qu'on a des traits à chaque cotation. Ouais, bien vu, Kumani. Ok. Ouais, j'ai regardé le reportage sur le pétrole aussi. Merci, le découpeur. Très intéressant, très instructif. Je l'avais jamais vu en fait. Très intéressant. Je te remercie. Ok, on va aller voir le BTC. Et puis après, je suis désolé à hein, BC. Je te l'ai dit. Je rentrerai pas dans le. Ah si. Ah, je suis brouillon. On va aller voir l'IBEX. On va aller voir l'IBEX tout de suite. Hop. Parti. Alors on va aller voir l'IBEX. Hop, le voici, le voilà. Alors l'IBEX.
Libex, on va se mettre. Mais je suis en jour déjà, c'est bien ça? Je le reconnais pas là. Alors j'ai pas pris le bon, excuse. Attends, Libex. Libex 35, voilà, je l'ai, c'est bon. Ok. Alors, hop. Donc là, on est sur des plus hauts. Ok. En daily, on y va. Donc ici, hier, pas de signal de vente. D'accord? Aujourd'hui, la bougie est en cours, en fait. La bougie est en cours. Donc, dans la mesure où hier, je n'ai pas de signal de vente, celle-ci, je ne peux pas me mettre vendeur, en fait. C'est trop tôt. C'est vraiment d'un point de vue analyse technique, c'est vraiment surtout en daily, c'est vraiment la patience du temps long, en fait. Il faut attendre une clôture de bougie. Et là, effectivement, quand on voit cette bougie en cours de formation, on a envie de se dire, mais ça y est, faut vendre, faut vendre, faut vendre. C'est pas faux, hein, et après, tout dépend de ton style de trading. Mais en fait, moi, il faut bien comprendre que le daily doit me donner un sens prioritaire pour la journée. Et si j'avais fait mon analyse ce matin à, mettons, à 8 heures, et que je n'ai pas connaissance, que je n'ai pas connaissance vraiment de cette bougie-là. Voilà, toi, je suis ici. Comprends bien que je suis dans un marché ultra bullish. Je n'ai pas de liquidité évidente sur la gauche ici qui me dit oui, on a un point. Je n'ai pas de structure, je n'ai rien. En fait, je suis à poil total pour vendre ce marché. Et se dire ce matin, je vais commencer à le vendre, c'est extrêmement délicat en fait, parce que y a pas de signal, il n'y a rien. Dès les petites bougies rouges, on a ça reprend derrière, etc. D'accord? Donc là, ce qui fait dire, quelque part, qui te donne raison, mais je trouve que tout dépend de ton style de trading, mais prendre du cours ce matin ici, c'était plus que délicat. Plus que même, même si ça monte, ça monte, ça monte. D'accord? Par contre, et même demain, j'ai envie de dire, si ça clôture bien rouge ici, eh bien, là, on va se dire, il y a eu un coup de patte des ours, qui a été donné, ou alors ça peut être des prises de profit, des bulots, etc. Et donc, c'est uniquement qu'après, à la clôture de cette bougie-là, où je vais commencer à me dire, bon, ok. Et voilà, et là on a fait peut-être un pullback de deux bougies. À quel moment je vais pouvoir reprendre du flux acheteur, tu vois? Et à aucun moment, en tout cas dans la manière de faire, j'aurais envie de vendre ce matin. Tu comprends? Parce que, eh ben d'ailleurs, on ne l'a pas sur IG. Parce que faire ça, c'est rentrer avec la foule que je t'ai montré tout à l'heure, en fait. Et ça peut faire des points, hein, très bien, mais il y en a combien qui ont tenté de shorter depuis un mois maintenant et qui se sont fait ramasser la gueule jusqu'au jour où tu vas les entendre fanfaronner en disant « Ouais, j'ai vendu au plus haut !» Ouais, t'as vendu au plus haut, mon gars, ouais. Voilà. Et donc, là, en faisant ça, tu te mets vraiment ici, quoi. C'est-à-dire, il faut se presser, c'est trop haut pour acheter, donc voilà, on voit des gens qui vendent, qui vendent. Ok. Nécessairement, il y a un moment donné, ça va tomber, hein, c'est vrai. Et ça donnera raison à ces personnes-là. C'est vrai aussi. Voilà. Bon, allez, je suis pas très précis, mais tu vois un petit peu l'idée. Donc, c'est uniquement ce soir ou demain, voir un petit peu. Et je crois même que cette bougie-là, je m'en servirai comme point repère pour me dire, bon, voilà, on a eu ça. Et à quel moment, en fait, finalement, quels seraient les points repères pour reprendre du long, en fait? Parce que ça, j'ai envie de dire, c'est attendu. Très bien. Mais le plus dur, c'est attendu, certes, mais le plus dur, c'est pas le fait que ça soit attendu. On le sait que les marchés ne montent pas au ciel. C'est pas ça le plus dur en trading. C'est quoi, d'après vous, en trading, le plus dur? C'est le timing, en fait. Parce que ici, vous vous dites, ça fait longtemps que ça monte. Oui, vous attendez un pullback. Ouais. Mais si vous commencez à shorter ici, et puis là, pareil, oh, c'est non. En fait, ça va être le timing. Et là, tu me parlais des 10-300 tout à l'heure, exact, chiffre rond, mais tout comme les 10-200, tout comme les 10-100, etc., etc. Et même, je dirais, ici, là, sur les 10 000, voilà, les 10 000, on a le droit de se dire, mais bon sang de bois, même les 10 000 ont explosé sans aucun pullback dessus. Et là, il y en a combien qui pensaient vraiment peut-être commencer à prendre du cours? Et là, justement, dans cette idée de cours en ce moment, ben les 10 000,
Ça peut être des points d'intention intéressants, peut-être, à voir. Ok. Ok, allez, super. Ouais, le mouvement est puissant, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait combien en baisse là? Je regarde un petit peu sur TradingView. Un petit signal quand même. Regarde, là on a un petit gap. Un petit gap, habituellement ça gap. Ça gap aussi vers le haut, ça gap vers le haut, ça gap tout le temps vers le haut. Donc un des premiers signaux ce matin, effectivement, là il y avait en 60 un gap baissier qui n'est pas commun. C'est quelque chose qui n'a vraiment dans cette montée, c'est pas, j'ai pas l'impression, je suis pas un spécialiste des gaps, mais c'est pas. Regardez, là ça gap encore à la hausse, ça gap encore à la hausse, ça gap encore à la hausse. Là on se reniflait derrière, ça gap à la hausse, etc. Et là effectivement c'est l'un des premiers gaps à la baisse. Donc ouais. Mais bon, on verra, on verra, on verra. Après, tu as des, voilà, des premières lignes de défense évidentes, hein, ici. Là, tu en as une jolie aussi. En une heure, on voit mieux les choses. Ok. Pourquoi pas? Enfin, quand je dis pourquoi pas, pas pour moi, mais après, chacun sa manière de voir le truc. Hein, pas de problème. Ouais, ok. 14h13, mais c'est une folie, ça. Ça déborde de plus en plus, ça va pas du tout. Allez, je vous dis à demain. 13h30, mettez des pouces, merci. Bye bye, à demain.